Coucou YouTube, salut les gens, j'espère que vous allez apprécier cette nouvelle série de jeux d'horreur avec moi, sous le même registre que je l'avais fait avec Outlast. Pendant Halloween, je me suis acheté quelques petits jeux d'horreur. Ça fait un moment là que je les ai achetés et que je ne me suis pas lancé. Ben là, du coup, on va commencer cette aventure Soma, et je vais la partager avec vous de cette façon. N'oubliez pas que si ben, vous aimez ce que je fais et que... voilà, les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à venir me rejoindre sur le streaming au fur et à mesure pour vivre un peu voilà en direct ce que je peux faire en dehors des jeux d'horreur. Voilà, bon, mais du coup, c'est parti. Je vais faire des épisodes de 25 minutes maximum, je couperai et puis je relancerai pour les gens qui sont sur le streaming. Je le rappelle parce que je stream en même temps, je rappellerai. La réalité, c'est ce qui ne disparaît pas quand on arrête des... Oui, évidemment, c'est ce qui ne disparaît pas comme Marie. Tu sens bien sûr. Tu saignes. Oh, that's nothing. C'est juste que mon brain ne peut pas s'arrêter de l'accident. Here, take this. Non, that's for later, for the scan. It's green. C'est vrai. Ashley, I need to tell you something. Que je dise quelque chose. Simon, please don't make this weird. Épargne-moi. No, it's not like that. C'est pas ça. Why now? Pourquoi juste maintenant? Who's David Lynch? Why is there never enough time? For what? Oh. Christ. Yeah, I'm up. Hi, Simon Jarrett? Yeah, that's hey, me. Hey, c'est moi. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan. C'est sûr. I remember. Huh. Are you all right? Yeah, just a bad dream. Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry, I got it somewhere. Okay, great. Tiens, dans ce cas. Well, I'll see you à tout à l'heure. Okay, see you soon. Ouais, on se voit tout à l'heure. Bon, ça aurait été cool de pouvoir mettre le jeu en français parce que mon anglais reste pas terrible. Donc lire les sous-titres et tout ça, profiter de l'aventure en même temps, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour moi. Ok, je peux... Oh, pourquoi ça rame un peu là? Hey! Je lance des papiers! Trop bien! Qu'est-ce que j'ai enlevé le produit par là? Oh, je trouve pas la manipulation très intuitive. Hein. Oh, un joli livre. Hamsonné, Robin McConnell. On peut l'ouvrir. Oh, j'ai pas lu. Ah, c'est parce que... Voilà. S'accorde enfin quelques jours de repos après avoir réussi à s'offrir le voyage en famille à Hawaï, dont ils rêvaient depuis si longtemps. Mais en ce premier jour de vacances, tandis que le soleil se couche sur la plage de Waikiki, le séjour paradisiaque de Meridian vire au cauchemar. Ouh, lorsque des milliers de filaments surgissent des fonds marins pour happer les baigneurs. Ceux-ci se débattent en hurlant mais finissent par sombrer. Leur fils de 7 ans, Charlie, tente désespérément d'échapper aux tentacules mais est tapé à son tour. Un suspense haletant est absolument terrifiant. Une histoire qui ne vous lâchera pas. Parfait, parfait. Oui, c'est bien, voilà, j'ai lu, j'en veux plus. Comment on fait? Oui. Si je fais ça, bon, ben, ok. À dégager. Hey Simon, it's Jesse. You work this weekend or what? I knew there was something you were doing. Quelque chose de prévu, mais je ne sais pas. This weekend or next? Mm-hmm. Anyhow, just shoot me a mail or something. Mail. Kiss, kiss. Love you, miss you, mean it. Oho. End of messages. I swear, that guy has the memory of a goldfish. Okay. I even sent an email to remind him, didn't I? Pour le rappeler. Des chemises. Des pantalons, les caleçons et les chaussettes. C'est... Ah ben c'est presque ça, hein. On voit des chaussettes là. Come on, radioactive tracer fluid, where are you? Bon, je vais pas tout lire, hein. On cherche le produit radioactif. Oui. Mais je dessine bien, hein. Je fais des super dessins. Bisous maman, bon rétablissement. Ma maman est à l'hôpital. Maman.
Alors, merci encore de participer à nos recherches. Le scanner sera effectué au laboratoire passe de Toronto, mais comme nous n'y sommes pas employés, nous devons nous contenter de créneaux horaires qui nous sont proposés. Je vais essayer de programmer l'examen pour samedi. Je vous recontacterai pour vous confirmer le rendez-vous. Cordialement, David Munchin. Ok. Nouvelle ordonnance. Je suis ravi d'apprendre que vos maux de tête sont moins fréquents. Vos derniers examens montrent que votre cerveau récupère progressivement, mais il est encore trop tôt pour se prononcer sur les éventuelles séquelles. Ce qui est sûr, c'est que les saignements vont se produire au cours des prochains mois. Ce que vous devrez faire et que vous devrez faire quelques séjours à l'hôpital afin de drainer la cavité et d'empêcher le sang de se faire de faire monter votre tension. Ok, dans la mesure ou un stress excessif pourrait vous être fatal. Je vous ai fait une ordonnance de prazosine pour vos cauchemars. Veuillez lire attentivement les indications et respecter la posologie. Reposez-vous bien et à la semaine prochaine. Cordialement. Bisous, bisous. Fermez le samedi. Brouillon, qu'est-ce que c'est ? Oh, I forgot to hit send. J'ai oublié de faire brouillon. Ah ! Au cas où tu l'aurais oublié, je te rappelle que je ne viendrai pas travailler demain car j'ai rendez-vous. Ah bah oui, chez le médecin. Essaie d'arriver à l'heure pour ouvrir le magasin. Pense aussi à déballer les cartons rangés derrière le comptoir car ils commencent à devenir encombrants. Et puis les livres se vendent mieux quand ils sont en rayon, non ? Aïe ! Ouais, effectivement, t'as trollé ton pote, mais c'est toi le troll ! Ok, c'est envoyé. Better late than never. Mieux tard que jamais, exactement, c'est cela. Oui, donc du coup je quitte ça. Massif recoil, olé. Pour ouvrir les portes. Ah bah foutons. Le message arrive trop tard. Oui. Summer's coming. L'été arrive, j'espère qu'il sera beau. Bon, je vais pas lire tous les manuels, hein. Ouais, ça va. Où est-ce que j'ai bien pu foutre ce bordel radioactif? I really should drink the tracer fluid before I go see Dr. Il faut le trouver le produit contraste avant. Nothing but fast food. Rien que de la malle, ça me fait quelque chose avant de rentrer. Ouais, je fous le bordel chez moi. Pour faire pivoter un objet, maintenant la touche C. Ah, la course c'est ça, la maintenir. Et enfoncer pour déplacer la souris. Oula, pardon. Ah oui, pour approcher ou éloigner. Ah, ok. Bon, je vais faire tous les tiroirs et je vais pas trouver le produit. There it is. Ah, voilà! Pour utiliser un objet que vous avez ramassé, appuyez sur lorsqu'il est attaché sur votre écran. Bouah! Ça a pas l'air très appétissant quand même, il y a plein d'étiquettes, de trucs sur les étiquettes là. Ça a l'air dangereux ce que tu bois, Bobby. Feels like milk, but the taste... Lait, mais ce goût est imbuvable. Bon, mais on peut y aller. Oui. Oh. Jess le grimoire. Jesse. Hey Simon, I got your email. Just wanted to wish you good luck. Une bonne chance, c'est-à-dire que tu l'as découvert. Thanks. I should be able to come to the store after the scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris helping me out. Matty from SNL? Guess you didn't hear. He's coming in full time, working the comic section. That's Ashley's job. Yeah. Well, you know. Forget it. Not doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Well, good luck. Hope they find a way to reverse the whole, you know, dying thing. Dying thing? You're the worst support ever.
What should I say? I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Over and out, buddy. Won't find me in a phone booth. I'll be set up. Mm-hmm. C'est une histoire palpitante pour le moment. Bon, ça ne met pas beaucoup dans l'ambiance pour le moment. En fait, ça démarre pas sur les chapeaux de roue. Hello? Hello. Dr. Munchie? Dr. Munchie? Are you there? Hello? Bouton. Yeah. Where is everyone? I thought this place would be busy. Can't give up yet. Ok, mais toi t'es du genre têtu quoi. Tu vois clairement que c'est le bordel, hein? Tu vois que c'est le bordel et tu veux quand même aller à ton rendez-vous médical. Mais t'es un putain d'abruti. Paul, où es-tu? Il y a quelques heures devant nous, j'ai pris contact avec Simon, j'arrive, on va le faire. J'ai vu normalement pendant la réception, tu es déjà là, appelle-moi. Un préparatif. Puisqu'on a reçu un labo cette semaine, j'ai réussi à réserver le scanner pour demain. Ce n'est pas grand-chose, mais ils disent qu'il n'y aura personne à la réception et qu'on pourra l'utiliser comme bureau. On aura accès à l'ordinateur pour exécuter les modèles et si jamais le créneau se libère, on pourra utiliser le scanner. Je me suis dit qu'on pourrait faire quelques tests demain en se scannant mutuellement pour se faire la main. Apparemment, le matériel est assez facile à utiliser pour vendredi. J'espère que le docteur enverra quelqu'un. Elle a un patient qui a récemment eu un accident de voiture, ça pourrait être intéressant. J'ai trouvé un peu de temps pour aller au labo aujourd'hui. Malheureusement, personne ne nous avait prévenu que le code avait changé. Alors j'ai appelé la sécurité, parlé au professeur Wei pour qu'il se porte garant de notre projet. Puis j'ai pris contact avec un type du service juridique de PACE pour qu'il nous raccorde une nouvelle autorisation d'accès au labo. Je n'ai pas le droit de communiquer le code par email ou par texto, mais je vais le noter quelque part au cas où on l'oublierait. T'as noté quelque part. Page 56. 2501. Ok. Bon, fermons le tiroir. Ouvrons le tuyau. Ça a l'air cool. Ouais, ok, on va pas tout lire. Ça va. Ça me plaît ça. Je peux pas la mettre là. S'il faut vraiment que je vise, c'est chaud quand même. Hein. Bon, je suis pas très bon en manipulation des trucs, hein, là, ouais, hop là. Bon. Bon, qu'est-ce que j'en fous de ce bordel, moi? Hein? Ah, ok. Bon, ça servait peut-être à rien, finalement, je me prends la tête. Place, right? It must be. Okay. Let's just call Machi real quick. Great. Got his phone turned off. That's okay. I can figure this out. Hey, trop balèze. What the fuck? Bon. Nous on va par là. Pour courir maintenant la touche, c'est bon ça.
hi. Didn't hear you come in. Attendu un truc. Simon Jarrett, right? Dr. Munchie? Well, it's just Mr. Munchie, but I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah. It's a study I'm doing with my colleague, Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction to help people like you. Oh, did you take the tracer fluid? Yes. Yes, I did. Great. Well, we can start whenever you're ready. Oui, bah attends, j'ai vu une autre pièce là-bas, moi, ça m'intéresse. There's needles and stuff lying around. Oh, tu vas te calmer, hein, Bobby. Ouais, bon, d'accord. Ouais, c'est un vieux Glock. Please, have a seat. Ouais, ok, je vais m'asseoir. Sinon, l'aventure ne continue pas, quoi. Ouais, un casque vert! Let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Oui. Right. Canada, Munchie. Oui. Born 1988, July 16th. Non, right. Moi, je sais pas né ce jour-là. Neurograph, version 6. Good. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. Is that so? Well, let's hope they're wrong. Hey. Ready? Say cheese. Bon. What happened? Hello? Mr. Munchie? Je suis dans une dimension parallèle. Did something go wrong? C'est pas le même fauteuil. This isn't funny. Wow. Where is this place? How did I get here? Une combinaison là, on sait jamais. Console de service inséré, l'Omnitool pour accéder au système. Donc l'Omnitool, ok, c'est ce machin. Y a-t-il un Omnitool par là? Je n'en ai pas trop l'impression. Oui, ben non, forcément. Ah! Trouver l'Omnitool quoi. Mais il est où l'Omnitool? Ok, j'ai compris. Merci de l'indication, Bobby. Et les vers vivants, on va se calmer, d'accord?
côté. Eh ben voilà. C'était pas très utile que j'ouvre la porte du coup, mais bon. Que voulez-vous? Jamais, bon, j'essaye, hein. Peut-être que je m'y prends mal, hein. Ouais, des chiottes. What? It's working better than expected. They're having a really hard time getting the doors open. Pull perma seal as many as you can, rather than not take any chances. Roger. Did you cut off the factory floor? All done. Should keep most of them out. I'm on my way to lock off the comms tower. Just make sure to leave a way out of here. Trust me, I'll get you the data safe and sound. We just need to make sure we leave enough power running so we don't have to return. I hear that. See you back at camp. Mm-hmm. Retrouvons-nous au camp. How did I do that? Okay. Du bon truc dégueulasse. Pétrole, je sais pas. Bon, du coup, je vais couper l'épisode 1 ici. Pour le moment, bon, c'est un début du jeu, on rentre tout doucement dans l'aventure. Bon, pour le moment, rien d'extraordinaire de mon point de vue. On va bien voir ce qui nous attend par la suite. Donc c'est la fin de cet épisode 1. Bon, j'espère que vous avez tout de même apprécié. On se retrouve très vite pour l'épisode 2. Je vous souhaite à tous un bon, bonne pleine de choses. Voilà, hein, parce que je sais pas quoi, mais plein de bonnes choses. Sur ce, voilà, je coupe l'épisode et à bientôt. Tchou tchou.